Mais Rémi, qui est avocat opposition, a tenu à collaborer avec nous, une façon pour intervenir sous crise insécurité depuis quelques temps, qui a ravagé le pays d'Haïti depuis bien des temps. Selon maître, l'insécurité, lui-même, l'État n'a pas réagi là-dedans. Et ça a passé dans le pays à jour aujourd'hui. L'État lui-même était comme si son État qui parle dans le pays, comme si son État, ça a passé dans le pays à jour aujourd'hui. Regardez divers groupes gang armés, gang cap goumé en face gang, kidnapping cap fait, divers malheureux, malheureuses passés pendant ap sibi, des actes malhonnêtes dans le pays. Malgré ça, nous, l'État lui-même, li pa réagir. Malgré ça, tout, nous, police nationale lui-même qui entre dans l'ombre. Selon mettre la tout, déclaration DG la police là, Léon Charles Feya, c'est une preuve pour montrer lui-même que la police lui-même li incapable dans sa cap. Passé dans le pays à journée aujourd'hui, son façon tout, selon mettre là lui-même et Léon Charles lui-même était capable de porter démission dans la tête et la police là, mais pour éviter peuple là pour rebeller, ça c'est un zac qui prouvait que Léon Charles lui-même est incapable pour diriger institution si là. Mais permettez tout profiter, font toucher dossier Alderson Gounegla, nous connaît qui était dans SPNH 17 là, monsieur était fait partie des membres SPNH 17 là, SPNH 17 nous connaît, c'est un monde qui, c'est un parti qui était toujours à lever campé, une façon pour dénoncer une série bagaille qui a passé en dedans. Pays. Eh bien, c'est le maître Rémi Alberson Gounel qui subit de l'arrestation illégale juste jeudi jeudiant pour qu'on ait une bonne enquête qui ouvre sous ça. Il a accusé de Alberson Gounel là. Nous connaissons un monde qui a accusé dans actes banditisme. Il a accusé tout de un groupe depuis au sorti qui toujours a crasé, brisé, boulé à faire monde. Alors, c'est de tout derrière ça. Alberson Gounel lui-même l'a accusé. Alors, c'est le maître Rémi Alberson Gounel qui subit de arrestation illégale. Nous allons regarder comment ça a été dans le collaborateur, nous, maître Rémi, lui-même, qui t'a intervenu sous dossier salut, avant même que nous laissons visualiser la vidéo, qui donne pour quelques secondes pour nous saluer et puis remercier, ou même qui a regardé la vidéo, ça, ou même qui déjà abonné, ou même qui a like, partagé, sans oublier, ou même qui toujours a quitté un commentaire en bas chaque vidéo que nous partagez ensemble avec vous sous Chanel Genangia. Ou même qui a regardé la vidéo, ça, et qui peut-être pour qu'on abonne avec Chanel là, n'a pas invité à abonner avec channel là pour nous capable à grandir communauté GNGA. On regarde comment ça a été dans micro collaborateur nous comment mettre Rémi lui-même qui t'a intervenu sous dossier insécurité qui a ravagé pays d'Haïti depuis quelque temps sous dossier tout qui là mettre déjà la police à lui-même Léon Charles t'a fait déclaration ça dans discours que l'État bail la presse et puis n'a laissé tout visualiser vidéo pour capable. Nel Rémi, donc je dis, nous connaissons le pays là qui avait son crise insécurité énorme, ou même en tant qu'avocat en d'un pays, dis-nous, qui comprennent la crise politique en d'un pays. Alors, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs qui ont regardé la capitaine. Alors, il faut comprendre que la crise ça, qui est aujourd'hui, la crise insécurité, hein, son crise qu'il a depuis tantôt 5-10 ans. Depuis 5-10 ans, parce que depuis le Vingen prolifération gang, depuis leur insécurité, depuis leur gang a fait ça ouvler, depuis leur gang a exprimé et pouvoir papa agir, papa arrêter moun, ou ka comprendre prolifération vin énorme. Maintenant nous venons dans une situation côté que Jovenel Moïse ainsi que son gouvernement, ils n'ont pas le contrôle de ce qui se passe et de ce qui se fait en Haïti. Vous comprenez que ça crive mentissant, il est grave, ça crive mentissant, il est une catastrophe humanitaire. Ça qui a privé dans le pays, là, c'est des situations qui t'ont supposé conscientiser chaque haïtien. Parce que m'a regardé, m'a compris côté que on dit des citoyens, des jeunes, qui ont pris des armes, qui ont utilisé des armes, et qui ont fait exhibition de gros armes. Bon, vous m'avez étonné. Moi, on est avec un âme qui dit que avant, bon, c'est lui, les moyens, avant le bosser dans le. C'est pour montrer la violence qui vient ancrée dans le système haïtien. Violence a vient ancrée dans elle. Mais ça fait ça ce qu'on est. C'est parce que l'État n'a pas pris responsabilité. Pour qui ça n'a pas pris responsabilité? Un peu exemple. Si dirigeant nous, alors ce n'est pas dirigeant qu'on a. Si dirigeant avant nous, te mette des dispositions, te mette des mesures en place pour permettre que les jeunes soient au travail. Rendez-moi un fou sage. On est à la 47.
mon M60 nan mel cap rapporté 2000 3000 dollars américains par mois, il pas faire que n'importe petit job et charpente ferronnier pour non pour zam nan rapporté plus cob. L'autre don bandit descend des mapes de ton cap parler yo dou chaque terre descend yo bon cob. Mais on a fort l'état ça pour combattre le banditisme, faut ta mettre ton politique en place pour que jeune sa yo déposer les armes volontairement. Parce que si c'est pas ça, on a vu nous vont côté pour professeur Michel Scorin-Menzil pour circuler dans commune son chef gang pour demander autorisation. Alors, c'est vie tout peuple haïtien qui est en jeu, pas bon citoyen haïtien qui est épargné kounya là. Elle dit nous tous nous avons une sécurité totale. L'État pas jamais dit rien. Commissaire gouvernement pas jamais agi, personne pas jamais arrêté, bandit pas jamais arrêté. Donc, on vient nous voir que bon légitimité et légitimisation de violence. Et nous-mêmes, comme avocats, nous avons dénoncé ça haut et fort pour nous dire que le ministre intérieur qui dit qu'il est là pour assurer la sécurité intérieure de l'État, faut le prendre responsabilité. Le ministre de justice, faut le prendre responsabilité. Et tout le monde suppose prendre responsabilité parce que nous ne pouvons pas aimer. Nous venons côté violence, nous venons tellement légal pour ces bandits pour demander autorisation. Donc je dis là, nous pensons que l'île est temps pour toute population. C'est là que la population supposée lever camper. Parce qu'il y a plusieurs levées camper. Il y a raison pour lever camper. Un, population supposée lever camper parce que c'est pas une justice. Population supposée lever camper parce que l'État n'a pas de sécurité. Et là encore, demain, si Dieu veut, nous avons une équipe d'organisation qui a déposé plainte contre l'autorité CSPN. Il faut comprendre que M. CSPN n'a pas de sécurité. Et en matière de sécurité, Premier ministre Claude Joseph, c'est le premier monde qui supposé prendre responsabilité en matière de sécurité. Ministre Justice, directeur général de la police, tout le monde sait que c'est des gens qui cautionnent ce qu'a fait là parce qu'ils n'ont pas pris responsabilité. Donc, c'est ou pour dégager, ou pour traquer bandits, ou pour freiner banditisme. Donc climat sécurité, il m'a dit on volonté, il m'a dit on prise de conscience pour éviter que trois monde pas mourir. Mais nous connaissons chef la police santé dit que la population doit révolter de ça qu'a fait là. Qui je comprends le discours et directeur général de la police, l'élément des populations pour révolter. Ou même. Alors moi personnellement, là où dit DG la police en fait discours ça, je saisi parce que on est qui a le monopole de la violence légitime, mais il n'y a pas qu'à demander de révolter. Parce que automatiquement, quand on révolte, parce que ça la vengeance privée. Chaque monde qui a fait la justice, il est vraiment étonné le temps des directeurs à parler comme ça. Parce que, comme avocat, nous ne sommes plus à l'époque d'Amourabi, à l'époque d'œil pour œil, dent pour dent. Non, pas que nul ne peut se faire justice, c'est peut-être ça que le tribunal, etc. Maintenant, l'on dirait que la police campée, il appelle la population à se rebeller, à se révolter. J'estime que c'est une faiblesse totale. J'estime que c'est un manque de responsabilité. Maintenant, le directeur général de la police ne peut plus diriger cette prestigieuse institution. Son sorte de démission, pour moi, je même pense que il aurait été plus sage si le DG de la police remettre sa démission. S'il remet, il va l'autre monde qui a géré ça là mieux. Mais faire des déclarations comme ça, c'est montrer bandits que la police est faible. Et dans le moment où on a parlé là, nous n'avons pas besoin de la police qui est faible. Nous avons besoin d'une police qui est forte et pour permettre que vous freinez le climat de sécurité de bandits. Mais nous, population, plusieurs fois levé campé, c'est même déjà la police qui vous estime au bail gaz. Mais comment comprendre, DG a dit pour population révoltée pendant que c'est même déjà ça qui va le voir gaz de manifestation, dans le soulèvement général. Comment comprendre ça? Oui, alors, je m'adresse aux policiers, Udmo, quelle que soit l'unité de dire. Il faut comprendre que leur population campée, leur population, comme si à manifester, c'est pour vous comme policier, c'est pour vous comme boy, c'est pour vous comme SWAT, c'est pour vous comme Udmo. Parce que là, moi, là où je demande de sécurité, c'est pour vous demander. Parce que là, moi, de sécurité, c'est moi qui ai sécurité ou même. Parce que, regardez, il y a plusieurs organes de droits humains qui mettaient des rapports dehors. Donc, puis le policier, oui. Vous savez, là? Maintenant, vous comprenez que 26e année anniversaire de la police, là, sous compte Twitter, il a dit qu'on ne peut pas souhaiter joyeux anniversaire à la police parce que les conditions sont difficiles. Abelson Gonne est croupier en prison, policier mourit. Ça est là, l'on a le commissariat,
l'on le commissaire ou regarder comment police a dormi, c'est pas exécrable. Condition de travail police, c'est pas lamentable. Elle dit chaque police a touché, bon police a gagné dans la rue, hein? Madame Lirel, elle dit mais on vient de guerpil. Donc condition de travail difficile et faut chaque policier qui a regardé la capitaine me comprendre que révolution, changement, révolte, levé campé en supposé fait. Et là, ça, c'est tout policier qui suppose mettre à la population, parce que le changement n'est pas pour moi, il n'est pas pour là, pour nous tous. Et dans ce moment-là, nous avons besoin de nous rebeller contre les dirigeants, parce qu'ils ne sont plus en mesure de donner des fruits. Moi, je dis, tout le monde qui est dans le gouvernement, si je ne suis pas capable de mettre des missions dans l'autre équipe, parce que moi-même, ce n'est pas pour vendre mes besoins, c'est résultat mes besoins. C'est sécurité m'a besoin pour les gens qui sont dans le centre sportif. Sécurité m'a besoin pour les gens qui sont dans le soleil. Sécurité m'a besoin pour les gens qui sont dans la ville, dans la saline, fort ou bon. Sécurité m'a besoin comme avocat. Sécurité m'a besoin pour les gens avec son bon nègre. Sécurité m'a besoin pour nous journalistes. Et si le pouvoir n'a pas de sécurité, remettre des missions, bah vague dans l'autre équipe parce qu'il a fait pays, il va lancer la presse. Et nous avons parlé d'Abelson Gounek qui nous connaît qui est en prison. En tant qu'avocat Abelson Gounek, dis-nous, dans quel niveau l'océan est qui j'ai été santé Abelson Gounek en dans prison pénitentiaire nationale? Très bien. Alors, pendant que je suis sur Abelson Gounek, bon, l'autre parenthèse que je fais, mais je vais me résumer de ça Abelson Gounek. On va comprendre que nous-mêmes, plusieurs avocats, Maître Théophile Swick, Maître Arnel Rémy, nous là comme avocats, et dans quatre dossiers. Abelson Gounek est arrêté depuis le 27 mars. Vous savez, non? 27 mars, par le commissaire Bedford Claude. Et la première irrégularité que nous avons pu observer dans l'émission du mandat, c'est que le mandat d'amener d'Abelson Gounek n'est pas doté de numéro. Ce qui explique que c'est un dossier qui n'existe pas. Parce qu'à chaque dossier qui n'est pas qu'il y a un numéro. Et dans chaque mandat d'âme qui émet un numéro. Et je vais vous prendre ça clair pour le monde, Capitaine Deo. Et dis-le en créole. Parce que le monde, Capitaine Deo, dis-le plus explicite. Okay. Pour mieux comprendre ça qui est à Abelson Gounek. Parce que son arrestation, en fait, là, tu es déjà pas légal. Et d'après avocat yo, et mais qu'on y a là on parle des dossiers monsieur pas de numéro. Oui. Et c'est explicite pour moun yo k'ap comprendre nan dans qui condition que Abelson Gounek même ni trouvé dans prison qu'on y a. Très bien. Et chaque temps on moun vinn porter plainte dans parquet bon formalité. Depuis moun nan besoin mandat d'amener bon formalité, il passe dans service net, yo enregistré dossier pour lui dans registre plainte là. Chaque numéro de chaque dossier mon numéro. Si c'est mettre en arrêt, je dépose en plainte. Si c'est mon premier plainte d'Abdou, un P, etc. Et 1200 combien, 1300 combien. Mais dans le cadre d'Abelson Gounek, pas un dossier, pas un bail ça. Parce que c'est Chita, commissaire Chita Lakali, il a reçu des ordres. Et même côté, pour moi, d'aller amener les krill. Mais il faut comprendre tout. Là, nous-mêmes, dans l'enregistre parquet, moi, je m'arrête au final. Vérifier si le dossier a existé. Pas un dossier. Si pas de dossier, elle dit que son marché pour ce que tu as fait pour arrêter Abelson Gounek, c'est la première irrégularité. Nous là, tout nous comprenons que l'arrestation de 4, il y a 4 tout exécuté parce que si pas de numéro dans le dossier, donc c'est pour un bagage la justice que connaît. Non, non, pourquoi ça me dit ça? C'est pour montrer le caractère politique arrestation. Parce que, un, il y a arrêté Abelson Gounek pour destruction de biens publics, biens privés, et association malfaiteur, acte de terrorisme. Acte de banditisme. Et faut comprendre, pour qu'il y ait un dossier, il aurait fallu des plaintes. Il faut que qui dépose des plaintes. Et des plaintes, merci. Et faut comprendre que nous avons mandat la société. Jusqu'à présent, on n'a reçu aucune plainte, on n'a reçu aucun grief de la part de la société, entre guillemets, contre Abelson. Vous savez, et de deux, le arrêté avec Abelson depuis le 27 mars. D'accord? La Constitution, à travers l'article 26.2, dit 48 heures après votre arrestation, vous avez le droit de comparaître par devant votre juge naturel. Il a arrêté Abelson depuis 27 mars et jusqu'au moment où nous parlons, n'était-ce pas notre intervention à habeas corpus, Abelson va dans un dossier. Et nous-mêmes, nous avons prouvé que le dossier d'Abelson Gounek ne marchait pas. C'est l'heure où il a que nous fait action en habeas corpus. Non? Maintenant, il laisse à pouvoir, il dit bon, etc. Il a couru faire dossier arrivé qu'à l'instruction. Ceci ne nous intéresse pas.
yo mettre téléphone câble parce que c'est une action habeas corpus. L'action habeas corpus qui son possibilité prérogative que la loi bail justiciable pour le doyen, écoutez, vous êtes le doyen, vous avez le droit de statuer sur la légalité de mon arrestation. Vous ça me donne et ça fait habeas corpus ad suhiciendum. Que tu es ton corps pour le produire par devant le tribunal. Et là, ça va statuer sur la légalité de l'arrestation. Et nous-mêmes, comme avocats, qu'est-ce qu'on a dit? La détention d'Abelson Gonègue est arbitraire. Parce que sa détention dépasse les 48 heures. Abelson Gonègue n'a pas comparu devant son lieu naturel, par devant et le juge des libertés individuelles, c'est le doyen du tribunal. Mais nous, nous-mêmes, ça ne fait. Nous faisons Béaslin. Nous, j'ai une ordonnance. Depuis 6 mai, j'ai une ordonnance. Nous avons signé le commissaire en plaidé en habeas corpus. Nous assurons que huissier signifie régulièrement papier. Hein. Mais le commissaire du gouvernement ayant reçu des ordres de Jovenel Moïse, pas mettre pied. Jovenel Moïse dit souvenir, moi, ma forfait du job, m'importe, ma méthode en disponibilité. Puisqu'on connaît, c'est lui le chef de la poursuite. Donc depuis le parvenu, le dossier est bloqué. Mais malheureusement, par contre, si et le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Vous savez, puisque législateur a été prévu ça, législateur a été connu après des arrestations politiques comme ça. Il dit, si le commissaire n'est pas fini, eh bien, doyen, sur la base de l'article 28 du décret du 22 août.